Hey, salut à tous, on va aujourd'hui personnaliser une petite plaque de roulage, donc qui est plutôt quand même jolie déjà, mais j'ai décidé d'en refaire un petit peu autre chose avec les peintures que je dispose, donc on va faire ça ensemble. Voilà, je peins plusieurs trucs et je voulais vous montrer un petit peu en vidéo pour partager ça avec vous. Donc voici le nombre de peintures que j'ai, enfin voilà, donc on a un petit peu de tout. Pas spécialement du haut de gamme, hein, voilà, c'est juste histoire que on puisse faire quand même 2-3 trucs. Donc là, voilà, on va utiliser donc ces bombes-là. Donc je vous montre la première. Donc du high gloss, on considérait ça comme du brillant. Ensuite du mat, on considérait ça comme du mat. Bon, voilà, normal. Et ensuite celle-là, donc du brillant or. Donc plutôt pas mal. Ensuite, je me suis fait faire quelques pochoirs pour la chaîne. Donc voilà, celui-ci qui est plutôt pas mal, et puis j'en avais fait un peu plus basique qui est juste ici, que j'ai mis du scotch autour que ce soit plus simple. Donc voilà, alors on va commencer avec le mat, donc une couche simple, 10 minutes séchée à peu près au niveau du toucher, et puis 1 heure séchée complètement. Donc je vais vous mettre 2 angles de caméra, je vous laisse les bruits de pchit derrière. Voilà, tac. On met un coup bien par-dessus, donc on lâche à chaque fois. Je ne sais pas si vous savez peindre, donc on appuie à chaque fois sur le bouton et on relâche quand on est à l'extérieur de l'objet. Donc on appuie, on relâche, on appuie, on relâche. On va avoir un mouvement rectiligne avec le poignet. Donc j'y arrive plutôt bien, il n'y a pas de coulure. Après, je dis pas que j'arriverai à peindre une voiture, mais voilà, à la main comme ça, il n'y a aucune couleur. Vous allez pouvoir le voir à la fin. Alors là, bah, du coup, on a fait donc le mat à l'intérieur. Donc là, on fait le brillant à l'extérieur, donc en dessous. Voilà, donc à chaque fois on laisse sécher une petite heure tranquillement. Voilà, donc toujours le petit mouvement en relâchant à chaque fois à chaque extrémité de l'objet. Comme vous pouvez voir, le brillant est plutôt pas mal. On voit même les nuages si on regarde bien, donc c'est quand même assez propre, je trouve. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va donc regarder un petit peu déjà la gueule que ça a pour se donner un peu un ordre d'idée, voir un petit peu ce que comment c'est. Donc on a un beau mat ici, voilà, un beau mat sympa et un beau brillant de l'autre côté. Je trouve ça plutôt sympa, c'est basique, c'est du noir, mais c'est assez propre. On va mettre le pochoir juste ici. Moi j'ai une petite technique, je mets des morceaux de briques pour que ça tienne, donc une brique que j'ai cassée en plusieurs morceaux. Voilà, ensuite, une fois que c'est bien mis, on va appliquer donc la couleur or. Voilà, tac, donc un petit coup par-dessus. Voilà, pareil, hein, faut surtout pas faire de couleur là, sinon ça va se voir. Vous allez voir, le résultat est quand même plutôt assez propre, je suis content de moi. Donc là, tac, voilà, vous voyez la gueule que ça a, plutôt bien. Donc là, je vous montre à l'ombre et puis après, je vais vous montrer au soleil. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai mis une petite couche d'après, histoire de protéger un peu. Mais bon, je voulais pas filmer parce que ça sert pas à grand-chose. Mais voilà, ça rend plutôt bien, même sur les bords. Il y a vraiment, on croirait qu'elle est comme ça d'origine. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous laisse et je vous dis bye.